Hello, je ne sais pas pour vous, mais je fais partie des personnes qui aiment jouer de la musique en streaming tout au long de la journée. Il existe plusieurs plateformes internationales qui proposent des abonnements mensuels. Mais si vous ne possédez pas une carte bancaire, ça peut être très compliqué d'y souscrire. En plus, payer un abonnement mensuel de plus de 5 000 francs CFA par mois, c'est pas du tout aisé, surtout pour les plus jeunes qui sont friands de ces plateformes. Sans oublier que l'utilisation de ces plateformes coûte énormément en termes de data. Je suis tombée récemment sur une application mobile de streaming musical qui s'appelle Wow Music et qui propose des tarifs moins chers que gratuits, adaptés à toutes les bourses, surtout les plus petites. Wow Music se positionne comme la première application de streaming musical avec un catalogue riche de près de 1 million de titres afro et de plus de 10 millions de titres internationaux. Le téléchargement de Wow Music est gratuit sur tous les stores et je crois que c'est bien la seule appli de streaming musical africaine qui ne consomme pas votre data. Et ça, c'est wow! Franchement, les go, les gars, la musique, c'est la vie. Et la meilleure manière d'en profiter, ben, c'est le streaming. Après 2 semaines de test de Wow Music, je vous donne mon avis en 4 points. L'appli est disponible sur les deux stores Apple, Côte d'Ivoire et France, et également sur le store Android. Vous tapez Wow Music dans la barre de recherche, vous cliquez télécharger et c'est bon. Précision, le téléchargement de Wow Music est disponible uniquement en Côte d'Ivoire pour l'instant, mais ce sera le cas dans toute l'Afrique et au-delà très bientôt. En deux, pour pouvoir jouir des sons sur Wow Music, vous devez créer votre compte. Ça ne vous prendra pas 3 minutes. Sur la page qui s'affiche, vous enregistrez votre numéro. Il vous sera ensuite demandé de confirmer votre inscription grâce au code d'authentification reçu par SMS. Une fois que c'est fait, vous entrez dans l'univers coloré et fun de Wow Music. Si vous vous inscrivez avec votre numéro orange, vous avez droit à un cadeau de bienvenue. 30 Wow. Pour information, un Wow correspond à une écoute de titre. Donc, avec 30 Wow, vous avez droit à 30 écoutes gratuites. Menu varié et écoute assurée. Le jukebox est ce que vous verrez en premier dans la partie accueil de l'application. Avec le jukebox, vous pouvez écouter gratuitement de la musique. C'est une playlist sélectionnée avec soin par l'équipe de Wow Music et ça change tout le temps. Dans la partie accueil, sont également mis en avant les nouveautés albums, les singles et les Wow News. Playlist de stars, playlist partenaire, playlist mood, playlist genre, etc. Il y a même des playlists par pays et c'est pas mal ça. Dans le menu recherche, vous pouvez rechercher le titre, l'artiste, l'album et la playlist qui vous intéressent. Vous verrez également l'historique de vos recherches récentes. Dans le menu mes sons, vous pouvez créer vos propres playlists. C'est très simple. Vous cliquez sur créer une nouvelle playlist. Vous lui donnez un nom et le tour est joué. Ainsi, à chaque fois que vous écoutez un son qui vous plaît, vous pouvez l'ajouter à la playlist qui lui sied. Le menu Mes sons regroupe également tous les titres, les albums, les artistes que vous avez likés pour vous permettre de les retrouver plus facilement. Le must-have, vous pouvez également télécharger des titres si bien sûr vous avez souscrit à un forfait Zik et les écouter hors connexion. Comment acheter un forfait Zik? Si vous avez l'habitude de payer des passes internet journaliers, je pense que ce qui va suivre va vous plaire. Les forfaits sont tout mini petits pour les très petits budgets et vous donnent droit à des téléchargements de musique. Vous avez le forfait Zik jour à 175 francs CFA, le forfait Zik 3 jours à 350 francs CFA, le forfait Zik semaine à 1200 francs CFA et le forfait Zik mois à 2400 francs CFA qui vous donne droit à 460 titres à écouter online ou hors connexion après téléchargement des sons. Alors, les plus. Vous pouvez écouter de la musique sans consommer votre data. Des forfaits de musique à prix extrêmement bas avec des moyens de paiement locaux, comptes principaux et mobile money. Téléchargement de titres et écoute hors connexion possible. Écoute payante à partir de 5 francs CFA, le titre, oula, c'est tout petit mini, et forfait à partir de 175 francs CFA. Téléchargement de titres et écoute hors connexion possible. Qualité audio premium.
Et enfin, vous avez droit à des cadeaux en tant qu'utilisateur Orange. Les moins. L'appli est uniquement disponible en Côte d'Ivoire. Néanmoins, ça ne devrait pas tarder avant que d'autres pays d'Afrique soient couverts. L'appli ne permet pas encore l'achat de forfaits à offrir à des tiers, à des amis, à des parents. Mais bientôt, très bientôt, vous pourrez faire plaisir en musique à vos proches, à vos amis, en leur offrant des forfaits Zik. En conclusion, que pensez-vous de l'appli Wow Music? L'avez-vous déjà téléchargée? Laissez vos commentaires en dessous de la vidéo et n'oublie pas de liker et de partager un max. À très bientôt.